C'est bien, mon chien. Bon, revenons à ce signal de détresse. Avril 2053. Avec Victor, il nous a fallu toute une semaine pour atteindre le site d'atterrissage des véhicules de ravitaillement. Nous avons dû contourner un éboulement non répertorié avec notre explorer. En tout cas, la...
Voyons voir là-dedans. Thank you.
peux plus reculer. Ouvre-toi. Thank you.
Mac, au pied. Voyons voir ça. Come on.
Violette ? D'atteindre la porte d'ici. Il va falloir trouver un autre chemin. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ?
dois détruire le champ énergétique pour monter sur le plateau antigravitationnel. On y va.
voyons voir ça. Thank you.
J'espère que je serai pas déçu. J'ai reçu votre rapport d'investigation, Dr. Holden. Il contient 16 éléments. Violette, je suis pressée. Des orbots de garde. Super. Ils nous diront peut-être ce qui se passe. Te donner cet orbe ? Pourquoi ? Un orbe de Victor ? Qui c'est ce Victor ? Mac ! Hey, mais ça va pas ? Hors de question que je donne à des orbots. Nous n'avons pas pu charger sur les vaisseaux tout l'équipement lourd qu'on voulait apporter sur Alter Eden. Les Orbots devront le fabriquer sur place. Il provient de l'autre côté de la carrière. Viens, Mac. Bon, Violette, allons-y. Thank you.
puits est trop profond. Il va falloir le contourner. Voyons voir ça. Ces tunnels sont en piteux état. Qu'est-ce qui est arrivé aux Orbots qui en assuraient la maintenance ? Une cassure dans la galerie. Si nous positionnons correctement ces plateaux antigravitationnels, nous pourrons accéder à l'autre côté. Le plateau n'a plus d'orboïdes renforceurs. Où est-ce qu'ils sont partis se nicher ? Des orboïdes renforceurs.
Viens avec moi. Je peux ? Allez, en avant. Parfait, ça avance. Le tunnel est bloqué. Va falloir trouver un autre chemin. Oh là, attention où je mets les pieds. Concentre-toi, Jules. On a réussi, Mac. Thank you.
Le signal est juste devant. J'ai activé ma balise il y a 5 jours. Ton signe zéro en a mis du temps pour me trouver. Il va bien ? Mac ? Il va bien. Il a pas été touché par ce qui rend les autres Orbots complètement fous. Toute cette planète a perdu la boule. Kai Bren, maintenance d'Orb. Joule Adams. Test atmosphère. J'ai essayé de récupérer des pièces pour réparer ma jambe. Mais on n'a pas réussi à attirer les plus gros Orbots à proximité de notre explorer. Je suis pas assez rapide pour les débusquer. Quant à... Seth... Il est trop craintif pour s'y aventurer tout seul. Pour aider Mac et moi, on pourrait trouver ce qu'il faut. C'est vrai? C'est super. Tenez, prenez ça. Ça vous sera utile. J'ai une liste des composants qui me manquent dans l'Explorer. Je vous la donnerai, par radio. Ok. Parfait. Et Jules? Je suis content que vous soyez là. Pareil. T'entends, Kai, je t'écoute. Les composants qu'il me faut sont dans une colonie d'Orbots. Je vais l'indiquer sur la carte pour toi. Ok, on se met en route. Être des logements temporaires. Une fois tous les équipages réveillés, ils devaient aménager dans des tours résidentielles et d'autres bâtiments proches de leur lieu de travail. Mac.
ça doit être ici. Hey Kai, on est arrivé. Super. Les pièces dont j'ai besoin se trouvent uniquement sur les Arak hybrides. Les verts. Ça semble assez simple. En fait, le problème, c'est que les Arak hybrides craignent le soleil. Tu vas devoir creuser le sable pour les trouver. Voyons, on s'en occupe. Pas vrai, Mac? Creuse, Mac! Va voir. Mac, t'as la piste? Va voir ce que tu trouves. Cherche. Mac, t'as la piste? Fouillons un peu. Super. C'est gagné. Thank you.
Oh, 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 oh